Alors bonjour à tous et à toutes, ici le Gamer Loser LuigiTel60 pour la suite de ses aventures sur Paper Mario Color Splash. Dans l'épisode précédent, on a fait les 3 fois de suite. Enfin, 2, vraiment, vu qu'on est mort 2 fois. Et 3 fois pour parce qu'on a raté un saut. Et dans cet épisode, je suis allé avant au site de fouille. Bienvenue au temple parfait ciseau. 2. Oui, donc je disais, j'ai essayé d'aller au site de fouille. Comment ça s'appelle? Je suis allé sur le site de fouille pour essayer de récupérer un os pour le mettre au musée. Mais j'ai appris qu'une bande de mascasses jaunes à paille les a. Ils ont volé l'os, justement. Donc, il est impossible pour nous pour l'instant de le récupérer. La route vers la Clare est longue et semée d'embûches. Ont-ils fait tout ce chemin pour triompher ou pour trébucher? Vous qui aspirez à la célébrité, vous devrez batailler dur pour la mériter. C'est la dure loi de Pierre Feuille Ciseau. Kamehameha. À présent, nous concluons à ma droite. Le jeune espoir qui a vaincu le Digimage haut la main. Mister Mamamia en personne, j'ai nommé Mario. Yay! À ma gauche, le destructeur de sommeil, celui qui ne se laisse jamais marcher dessus, j'ai nommé le char à pic sur patte, j'ai nommé Eris. Premier tour, Mario contre Eris, messieurs, à vos cartes. Du coup, lui, je ne sais pas ce qu'il va jouer, ce petit malin. On va jouer le ciseau, je sais pas pourquoi. Je sens le ciseau. Et là, il me sort une pierre. Et voilà, merci. Eris! Vous savez quoi, on va tricher. On va payer le droit d'entrée. Ouais, merci, dégage. Parce que le toad qui est là-bas, il peut nous faire entrer. Il faut payer, je crois. 200. Bon, bah, on va le faire qu'une seule fois. Parce que l'autre, il me demandait 100. Donc, pour moi, c'est passable, 100. Mais 200, après, si au troisième, il me demande 300, qu'il a bien se mettre un doigt dans le cul. Bon, bah, là, on va jouer la feuille, hein. Et là, il a changé de stratégie, il joue le ciseau. Du coup, 200 pièces dans le cul. Putain, mais il lit dans mes pensées ou quoi, c'est pas possible. Petit sac à merde. On va juste voir ce qu'on peut gagner. En fait, ils ont pas changé les récompenses. Je crois pas, c'était... Attendez, c'était 200, je crois. 500. Ou je sais plus. Bref, on s'en fout. Allez. C'est parti pour le temps de Kiwamano, là. Kiwano. Moi, je mets des Kiwano tous les jours. Allez. Merci. Oula, il y a plein de pics de partout. Je sens l'odeur d'une étoile de couleur. Et sache que mon nez ne me trompe jamais. Et t'as pas de nez, t'as un peu de peinture. Bordel. Évidemment, il fallait qu'elle se trouve derrière cette porte. C'est bien notre veine. Le sol et les murs sont tapissés de piquants. J'aimerais bien m'approcher, mais je suis très chatouilleux. Et moi, je dois dire quoi? Toi, tu peux l'éviter, petite merde. Moi, je ne peux pas. Ok, ouais, d'accord. Il y aura sûrement un truc comme ça pour pouvoir marcher dessus. Une petite mécanique comme ça, je le sens. Je le sens bien. Voilà, ça, c'est toujours ça. Bon à prendre. Ah, un spike. De cul. Tiens. Ok, on peut pas les taper dessus au marteau.
ils sortent une bouboule. Hop. Un 3, ça devrait suffire. En espérant que ça suffise, hein. S'il vous plaît, faites qu'ils meurent les deux. Ah non, ça m'aurait pas étonné, tiens. Petite merde. Qu'est-ce que je pourrais utiliser? Bon bah Vagoomba, allez. Défonce-lui sa face. Non. Comment as-tu osé? Venge-le, Goomba. Goomba 2, vas-y. Goomba 2, le retour de la force. Défonce-lui sa face. Putain, mais ils veulent pas le tuer, c'est pas possible. Qu'est-ce que je pourrais utiliser? Bon bah, dommage. Gaspillage de marteau, hein. Moi, le Goomba, il est content avec moi. Ça me fera penser à Goomelli ou Goombario, nos potes. Oh, caca. Oups. Bon, moi, on va pouvoir passer la zone de piquant maintenant. Merde, j'aurais dû aller voir ce qu'il y avait de l'autre côté avant. Trop con. Ok, juste un autre ennemi. Bon bah tant pis, hein. Ah mais c'est pas possible. Ouais, on est bientôt arrivé. On est bientôt arrivé. Ah. Putain mais... Quand tu veux que je touche là-bas. Ça que je comprends pas. Ok. Ah, il faut mettre le piquant dedans. Regarde ce trou, on dirait qu'il manque une pointe juste là. T'es sûr que le piquant que le professeur avait, blabla. On était sûr. Et comment on fait pour atteindre la tâche qui est là-bas? Ça que je comprends pas. Alors cette pointe était un véritable piquant de iris. Oh, tu sens ça? Papa arrive, ma petite étoile. Ça me paraît bizarre qu'on puisse pas y aller. Ah, on peut pas. Bon. C'est pas grave. On verra après. Oula, des iris au plafond. Petite fleur de feu. Un marteau de feu. Tiens, t'as pas le temps de réagir. Tu bouffes. Tu pues vraiment du cul. Allez, tiens, bouffe.
Ah, il est mort. Je pensais il boufferait un... Il serait encore plus résistant que tout à l'heure, quoi. Qu'avec les Goombas, mais là, il a voulu mourir. Bon, bah, tant mieux. Enfin, tant pis. Enfin, voilà, quoi. Fait chier. J'ai un peu plus de résistance, là. Une autre fleur de feu, merci. Ok, merci, on peut même pas la prendre. Oui, dégage. On va les trier, voilà. On va prendre la fleur de feu parce que c'est stylé. Là, ça me paraît bizarre, ce truc. Un marteau de feu, ok. Ça va activer la plateforme, merci, j'en étais sûr. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir jeter? Voilà, on va... Je préfère quand même garder ça, c'est plus intéressant. Mais est-ce que ça l'a fait dehors, c'est ça que... Oula, merde. Venez. Je pensais même pas qu'il y aurait des toiles, moi, dans le jeu. Ah merde, y'en a un qui a survécu. Je vais juste voir dehors. Si ça a retourné tout. Eh ben non, ça a pas retourné. Bon, on va tuer le mec qui est tout seul, là. Bonjour! Tiens! T'es tout seul? Bon, bah, on va essayer le marteau de feu, hein. Je sais, c'est du gaspillage, mais bon. Comme ça, on va voir comment c'est fait. Et quel zone d'impact ça a. Ok, presque tout, quoi. J'aurais pas pensé que ça aurait toute la zone. Mais c'est bon à savoir. Hop. On continue. De toute façon, on a que ça à faire. Hein. Tiens, bonjour. Deux. Alors, ça sert à rien. Qu'est-ce que je pourrais utiliser? Un gros marteau. Tant mieux. Je pensais pas que... J'aurais pensé que j'aurais pas eu. Bon bah après on va utiliser un bloc pou. Ce qui nous en donne plein. Je sais pas pourquoi là il nous en donne que ça. Tiens. Oui, merci. Alors, on va l'utiliser après encore. Hein. Bah, ça va être le rebond. J'ai même pas vu qu'il parlait à l'envers. Voilà, merci. Normalement, le rebond, il est censé... non, le multibone, il est censé perdre en puissance à force que Mario, il saute. Mais là, dans ces jeux-là, j'ai l'impression qu'il perd pas en puissance du tout. Oula. Je sais pas d'où il me l'a lancé et d'où il m'a vu. 4, tant mieux. C'est ce que je voulais. Tenez,
Le repas est servi. Madame est servie. Une série des années 80-90. Oula. Que je regardais et que j'aimais bien. Oula, esquive. Oula. Est-ce que ça va faire comme avec les Iris? Les deux vont venir me faire chier, ouais, je pense. Bon bah... un pot. Non. Pas trop, ça servira à rien. On va prendre deux gros sauts. Maintenant, faut pas que je me rate sur celui-là. En fait, j'aurais pu me rater. Enfin, pas rater le premier, mais rater le deuxième. Parce que... ok, ça en a tué qu'un seul, merci. Bah, tiens, service gratuit. Hein. Livraison à domicile. Iris. Un pot. Et un gros marteau. Allez hop. Tant mieux, j'ai tous détruits. Heureusement qu'il s'est attaqué à celui du milieu parce que si ce serait attaqué à Iris de gauche, je pense pas que ça les aurait tués en fait. Putain, mais j'en ai ras le cul de ces pots. J'ai juste envie de les détruire. Je vais tomber. Du coup, ça servait à quoi en fait? Ok, ça servait à rien. Qu'est-ce que je suis censé faire? On va ressortir, on va revenir. Parce que je pense qu'il y a un truc à faire avec... comme à déplier le truc, mais je sais pas comment le déplier. Parce que je pense que ça nous servira de pont en fait. Je comprends rien. Forcément un truc à faire. Ah mais oui, mais quel con. Voilà. Putain, je suis trop stupide. Voilà, plateforme. Et bah oui, il est con. Oulala, ça percute pas très haut chez moi. Putain, mais lâchez-moi le cul avec vos conneries, hein. Et merde. Puisque t'es méchant. Double pose dans ta face. Et il meurt pas. Non, il est juste froissé. Mais moi je m'en fous qu'il soit froissé. Bon, il y a un autre pot dans ta face. C'est la journée du pot.
j'aurais pensé en fait ça le retournerait le... Le bloc Pau. Mais non, ça ne l'a pas retourné. Alors, il y en a un. Ah mais pourquoi ils en donnent qu'un à chaque fois? Ils peuvent pas en mettre plusieurs d'ennemis. Là, je croyais qu'il était pas mort. Alors, est-ce que ça va tuer les deux? Mais non, il n'y en aura qu'un encore, merci. Merci, jeu qui m'aime pas. Bon, de rien. Tiens, on va essayer le marteau pilon. Putain, il faut être rapide hein, sur le lancer du marteau pilon. On va réessayer. Allez hop, marteau pilon. On se croirait au JO. Oui super, je me suis raté. J'ai lancé trop tôt. Du coup j'ai même pas fait 50 mètres avec ce lancer. Alors... Faut aller toujours tout droit. Hein. Allez Mario. Allez Super Mario. Alors on va les mettre là. Et purée, c'est pas possible. Quel trou de balle. Qu'est-ce que je suis con moi des fois. Allez, 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 allez. Allez, 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 oula, oula, allez. C'est le son de l'été. Je sais pas pourquoi je chante du... Je sais même plus comment il s'appelle. Je sais qu'il a participé à l'Eurovision. Personnellement, j'ai trouvé que c'était de la merde. Mais pour les mecs de l'Eurovision, c'était génial. Comme quoi, on n'a pas tous les mêmes goûts. Merci pour la couleur. Ouais, un Goomba pic là. Est-ce que vous pensez qu'on peut l'attaquer en temps quand il est en Goomba? C'est ça que je me demande. Oh putain, pas lui. Qu'est-ce qu'il va me faire? Ah, il est déjà juste retourné. Oui, super, vas-y. Je m'en fous. Ton truc qui pue, je me rappelle de ma carte. Voilà, toi aussi, tu vas le sentir passer, mon marteau. Sortilège dissipé. J'allais dire, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu d'augmentation de peau de peinture. Et ben le voilà, 320 je parie. Ouais. Un saut de fer. Le saut de fer. Ok, tant mieux, je l'ai eu. Savez donc comme ça il me fera pas chier. Parce que sinon il va me balancer des boules. Et j'aurai les boules justement. Allez hop. Attention. Je me suis raté, bon tant pis hein. Ah, ils disparaissent quand ils font ça. Pourtant, les coupas, eux, ils restent.
ça que je comprends pas. Eux, ils se cassent carrément. Tant mieux. Viens là. Et du coup, ils se déplacent plus lentement à cause de moi. Oula. Oula, j'ai failli tomber parce que je me rappelais plus qu'il y avait le truc là. Goomba Peak, je parie. Non. Goomba Pointu, ils l'ont rappelé. Parce que normalement, les Goomba Peak, ils ont un pic justement. Bah tiens. Puis. Tiens, prenez-vous un marteau de feu. Brûlé par les flammes du néant. Tant mieux, je les ai tous détruits d'un coup. Du coup, faudra que je tue cet enfoiré là-bas. Faudra que je fasse bien attention. Allez. 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 Allez, Jacqueline. T'es presque. Voilà. Ouh la vache, j'ai cru qu'il allait attaquer. Bon, ils sont deux. Tant mieux. Double saut de fer dans votre face. Voilà. C'est pas la peine que je m'énerve sur toi. Voilà, merci, au revoir. Merci d'être venu. Bon, tu pourrais revenir. Allez, allez. Oula. Je suis allé dans le mauvais sens. Allez. Plus vite. Plus vite, ma couille. Encore un petit effort, merci. On va sauvegarder, hein. Non. C'est bon, une fois ça suffit, Mario. Oula, pourquoi c'est rouge? Et pourquoi l'autre il est bleu? Oula, qu'est-ce que c'est que ça? Adieu! Attention, Mario! Ça va? Je vais te remonter. Oh, lisse! Heureusement que tu voles. Piouf! Tu as eu chaud, t'es pas passé loin du game over. Heureusement que je t'ai rattrapé. Mais c'est bon, on l'a déjà vécu deux fois le game over. Deux fois par un chompe géant. Et regarde là-bas. La petite étoile de couleur. Une petite étoile de couleur. Et il y en a même deux. Une en haut et une autre en bas. La chance. Mais elles sont trop loin. Comment faire pour les récupérer? Oula. Ah, la lave. La lave, la lave. Elle monte. Ça sent le roussi. Et ça se déplaçait par là, voilà. Aïe, oui. Allez. Allez. On va mourir sinon. Je sens on va mourir. Vraiment rien se prendre. Oula. On croirait un mini-jeu de Mario Party. Ah, on va mourir. Adieu, monde cruel. J'étais ravi de vous connaître. Ouais, je vais mourir.
Et voilà, Mario brûlé. Mamma mia! Mais putain, mais c'est pas possible d'être aussi mauvais, quoi. Oh là là, j'ai juste envie de me cogner contre des murs. Et de me cacher aussi. Putain, mais c'est Tandax du slip, hein. En plus, mon gamepad qui va se déconnecter d'un moment à l'autre. Saleté de gamepad pourri. Oh la vache. Bon, je crois que je vais sûrement mettre mon gros fail. Il faut que je trouve une chanson du fail. Parce que là, c'est pas possible, hein, d'être si mauvais. Gros fail. On est de retour, enfin. Après ce gros... Purée, mais c'est pas possible. J'étais même pas dessus, quoi. Après ce gros fail de tout à l'heure... Mais je pense qu'on va en refaire un autre, hein. Parce que je suis vraiment nul. Et que les trucs, ils ont décidé de me faire chier. Les gros rochers qui volent, là. Par la magie de Kamek. J'ai jamais vu ça. Les rochers qui lévitent pendant des minutes. Oh putain, mais pourquoi je vais récupérer la carte? Avance. Putain, mais n'importe quoi, je l'avais évité. Bon, bah, je vais encore mourir. C'est génial. Adieu, Mario. Adieu! Eh oui. Un poil de cul. Merci. Putain, je vais faire deux fails par vidéo maintenant, c'est pas possible. Hein. Enfin, surtout dans cette zone orange. Orange... Orange mécanique. Orange mes couilles. Parce que là, mes couilles commencent à en avoir plein le cul. Ouais, je commence à être vulgaire. Je m'en fous. Je m'en fous. Je censurerai rien du tout. Gros fail. On est reback. Donc, c'est encore un gros fail, hein. Que voulez-vous? À force, je vais peut-être apprendre le pattern des rochers. Au revoir la pièce. Bon. Deux chansons de fail dans chaque vidéo pour l'instant. Ça le fait. Oula, j'ai cru que j'allais me le prendre. Et du coup, l'autre petite, je me demande comment on peut l'avoir. Non, mais merde. Avance. Putain, des fois, tu sais pas pourquoi ça s'arrête pendant 5 minutes et demie. Par là. Allez. Oula. Je vous félicite d'être arrivé ici tous les deux. Toi le petit moustachu et toi la boîte de conserve. Qui aurait cru que vous seriez capable de résoudre les énigmes du temple? Pas moi, c'est sûr. Maintenant que vous êtes là, je vais m'occuper personnellement de votre cas. Cet imbécile de hérisson m'a piqué au vif. Écoute-moi bien, langue de vipère. On est venu récupérer cette étoile de couleur. C'est pas toi qui va nous en empêcher. Il n'en est pas question, cette étoile est à mon clan. Elle est à nous. Ces bouts si pointus, si piquants, je n'ai jamais vu pareille merveille. Vous ne poserez pas vos sales pattes sur notre trésor. Il ne bougera pas d'ici. Je vous laisse le choix. Jetez-vous. Vous vous jetez dans la lave, vous, je m'en charge moi-même. Bon bah les triples sauts ça sert à rien. Du coup on va faire un 5 sauts. 5 marteaux plutôt. Et il va bouffer du cochon spécimen. Ok, ça fait rien.
ça lui a rien fait. Merci. J'aime bien ce truc. Ça me fait penser un peu à la dinde de Sticker Star. Attention, j'appuie. Ok, ça lui a rien fait. Il accumule de la puissance. Qu'est-ce que je pourrais lui faire? J'ai bien eu envie d'épuiser Morton. Ouais, mais non. Déjà, l'autre, on va lui faire un saut. On utilisera un rebond sur la chauve-souris. Et sur l'autre, un gros marteau quick, je pense. Et meurt le Swooper. Attention. Merde, s'il te plaît. Ouh la vache. Bon bah, notre marteau quick, hein, marteau. En tout cas, fait mal, hein. Attention. Il est même pas mort. Tiens, j'ai bien fait. Oh, super, super. Je sais pas si on va récupérer l'autre. Bon bah tant pis, je suis descendu. J'ai pas fait exprès. On va y retourner pour récupérer justement l'autre étoile. Puisque c'est celle-là la plus importante, c'est pas la rouge. Vu que la rouge, on a tout fait. Ok, on n'a pas tout fait. C'est complètement con alors. À quoi ça sert de faire gagner la grande étoile rouge s'il y a encore un autre niveau rouge? Attendez, c'est complètement stupide. Le volcan vermeil. Ouais, bref, on comprendra pas leur logique. Hein. Putain, il y a une autre étoile de couleur. Pourtant, moi j'en ai vu que deux. Hein. Je sais pas où elle peut être la troisième. Peut-être après la réparation du... de la voie de chemin de fer, on verra bien. Hein. De toute façon, il fallait y penser avant. Hop. Le bloc pot, je prends. On se dirige vite. Oula, j'ai eu de la chance de le toucher. On va éviter tous les combats si possible. Là, il y avait une fleur, non, pas du tout. On va juste jusqu'au marteau, là. C'est vraiment chiant qu'il n'y ait pas de raccourci. Vite Mario. Hein, du coup on pourra les tuer facilement si on évite les combats là-bas.
Ah putain. Si je rate mon saut, ça va pas le faire. Va-t-on faire un succès critique? Oula. Putain de merde. La fuite au plus possible. Attention. Merci. On est trop par là, voilà, merci. Et maintenant, mourrez, bande de moches. Tiens, à ton tour. Ah, mais c'est pas possible d'être une grosse merde pareille. Putain, j'ai l'impression d'être le film Batman et Robin, quoi. Allez. C'est là qu'il faut s'arrêter, merci. Voilà, c'est ça qu'il faut faire. Oh mais purée, mais quel trou de balle. Oh mais... Ok bon, bah on est obligé de les tuer eux. Je pense qu'on aurait pu les éviter, mais non. Vous savez qu'on va utiliser des pièces de cartes de combat. Et merde. Voilà. Oui, prêt, c'est parti. J'allais dire, j'ai gagné un saut, mais ça me sert à rien vu qu'on peut pas débuter les Eris ici. Voilà. Et du coup, on va utiliser les cartes ennemies. Je me demande si les deux ils vont venir derrière moi. Ok, bon, bah, il est pas venu. Allez, viens. Allez, pourquoi tu traînes ton cul, là? C'est chiant pour... Là, regardez. Derrière, il avance super vite, mais côté dessus, il traîne son cul. Oulala. Faut pas que je me loupe pour tout à l'heure là. Non bah comme tout à l'heure. Il est où? Roulette de combat. Mais oui. Alors. Ok. Et merde. Comme tout à l'heure. On réutilise un bloc pot. Il est mort lui, c'était lui le plus dangereux. Toi aussi tu crèves. Et merde, j'ai pas eu le temps. Là des fois ça me saoule ce jeu, mais bon. C'est pour ça que je préférais les anciens Paper Mario. Au moins, t'avais un système de compagnons. Donc, même si t'étais un peu pourri au niveau des attaques, tu pouvais te rattraper avec ton compagnon suivant. Vu que des fois,
comprenais mieux le maniement de certaines attaques. Et puis j'aimais bien aussi le système de badge à équiper. Là il n'y a plus du tout ça. Du genre c'est vraiment toi qui choisissais quelle attaque t'allais t'équiper sur ta propre personne quoi. Je trouve ça juste dommage que maintenant c'est un système de cartes. Parce qu'avant tu pouvais choisir par exemple de... Si tu voulais mettre plus sur les points de vie ou les points de fleurs. En fait, les points de fleurs, ça permettait de lancer des attaques spéciales. Donc c'était vraiment le joueur qui décidait ce qu'il voulait en faire de ses attributs à chaque montée de niveau. Moi, je faisais une alternance entre les trois, mais je privilégiais un petit peu plus les points... les points badge, justement. On s'en fout de la peinture, j'ai ramassé au moins le gros marteau. Parce que c'est vraiment les points badge qui faisaient tout le jeu des... toute celle des Paper Mario. Aussi, le style graphique et l'humour. Mais bon, personnellement, je trouve qu'il a perdu son côté RPG. Hein. Là, c'est plus orienté sur du plateforme. Allez, c'est reparti pour un tour. Pour se refaire brûler le cul. Hein. Sûr, ça a remonté. Oula, j'ai cru que j'allais me le prendre. Attention. Là, je me concentre pour pas mourir comme un gros nul. Bon, voilà, on va à la pièce. Oula, par là, vite. On s'en fout du triple saut. Voilà, merci. On va essayer de le prendre celui-là. Maintenant, on se dirige vite vers la gauche. Vite. Voilà. Attention, en espérant qu'il y a plus pour Iris. Tant mieux. Ah non, on s'en fout. Non mais Mario, prends l'étoile. La dissidence du Mario. Voilà. Voili voilou. Oui. Et du coup, ça va nous mener où? Au Colisée. Et il nous faudrait retrouver l'os, je pense. Le Colisée d'or. Ouais, je pense qu'il faut retrouver l'os avant parce que... Normalement, si je me trompe pas, on en a besoin pour battre plus facilement le boss. Donc voilà, c'était tout pour les aventures du Gamer Loser Luigi Tel 60 sur Paper Mario Color Splash. Dans l'épisode suivant, je ne sais pas où on va aller, mais sûrement on va aller... ici, au volcan Vermillon, je pense. Donc sur ce, moi je vous dis c'est bonne continuation sur YouTube, ne faites pas d'avis comme dans les jeux, à plus.